Hello, bienvenue pour cette nouvelle conversation. Aujourd'hui, on parle du futur. On parle de créer son futur et on va aller ensemble faire un processus énergétique pour faciliter ton chemin vers le futur que tu as envie de vivre. Et pour commencer, j'aimerais te proposer de jouer avec cette question. Alors, si tu me connais, tu sais que j'adore les questions. Si tu ne me connais pas encore, sache que, à mon sens, le fait de poser une question est quelque chose qui est tellement en puissance 1. Une question ouvre des possibilités. Une question ouvre un nouvel espace, énergétiquement et dans notre inconscient. On le sait, là où on met notre focus, on va voir que des preuves de ce qu'on croit. Si tu crois quelque chose, tout l'univers va conspirer pour te montrer que tu as raison à propos de ça. Si tu vibres l'énergie du manque, tu vas voir du manque. Si tu penses qu'il n'y a jamais assez de temps, tu vas avoir tout le temps des expériences qui vont te prouver que tu n'auras jamais assez de temps. La puissance de la question, c'est qu'elle va permettre, c'est comme si ton esprit, ton inconscient, il est focus et il voit, j'ai pas de temps. J'ai pas de temps, 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 j'ai pas de temps. Donc il va constamment chercher des preuves pour te prouver que tu n'as pas de temps. Si tu commences à poser une question, donc ton esprit, il est comme ça, et la ligne directrice ici, c'est j'ai pas de temps. Le fait de poser une question, ça va permettre à ton inconscient d'ouvrir, d'élargir son champ d'observation et d'aller regarder ailleurs. Tiens, et si j'avais du temps? Qu'est-ce que ça prendrait pour que j'aie le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que ça prendrait pour que j'aie tellement de temps que j'ai le temps de me reposer, que j'ai le temps de créer tout ce que j'ai envie de créer? Et que j'ai encore du temps pour me faire plaisir, pour me relaxer, pour passer du temps avec mes enfants, pour peu importe. Donc vraiment, dès que tu commences à poser cette question, qu'est-ce que ça prendrait pour que j'ai plus de temps? Qu'est-ce que ça prendrait pour que j'ai le temps de créer tout ça et de faire ça et de passer du temps avec ma fille? C'est comme si tu commences à ouvrir tes œillères pour tout, tout, tout. Et ton inconscient, il va aller chercher les preuves que tu peux avoir le temps de créer. Et il va ouvrir l'espace pour que tu vois les possibilités. Et là, d'un coup, tu vas avoir des inspirations beaucoup plus profondes. Tu vas voir que, attends, là, si je fais ça là, ben après, j'aurai le temps de me reposer. Attends, si je fais ça là, tu vois? Parce que tu as ouvert l'espace. Donc, la question, c'est vraiment quelque chose de puissant pour ouvrir de nouvelles possibilités, pour commencer à chercher ailleurs un nouveau focus pour ton inconscient. Et du coup, reprogrammer, c'est une super façon de reprogrammer ta façon de penser. Si tu es en direct avec moi, fais-moi un petit coucou. Si tu me regardes en replay, fais-moi un petit coucou aussi. Ça me fera super plaisir de savoir qui est là. Et est-ce que tu es prête à aller observer, à aller jouer ensemble avec l'énergie de ton futur? On a tendance à vivre majoritairement dans le passé ou dans le futur. Sauf que pour créer notre vie, hello Rosemary, bienvenue. Pour créer notre futur, ça se passe maintenant. Donc souvent, j'entends poser la question, quel futur est-ce que j'ai envie de créer? Mais c'est pas la bonne question. Énergétiquement, elle concorde pas parce que c'est comme si tu cherchais à créer quelque chose qui n'existe pas encore. Sauf que tout existe déjà. Tout énergétiquement est déjà disponible. Donc je vais t'inviter à revenir dans le présent et à ramener ton futur dans le présent avec cette question-là. Quel futur est-ce que j'ai envie de vivre? Parce que dans le futur, tu ne vas pas créer ton futur. Puisque notre présent, on l'a créé dans le passé.
Ce sont tous les choix qu'on a faits dans le passé, toutes les décisions qu'on a prises, toutes les visions qu'on a eues, tous les points de vue qu'on a eus, toutes nos croyances qui ont créé notre présent actuel. Donc ton futur, tu ne vas pas le créer dans le futur, ton futur, tu le crées maintenant. Dans le futur, ce que tu vas être amené à faire, c'est vivre ce futur. Donc la formulation de cette question, elle est puissante. Quel futur est-ce que j'ai envie de vivre ? Et si tu connectes à l'énergie, si tu connectes à toutes les sensations que cette question va faire émerger en toi, il va y avoir des sensations, il va y avoir des émotions, il peut y avoir des images, il peut y avoir des ressentis, il peut y avoir des choses que tu sais que tu as envie d'expérimenter dans le futur. Mais toutes ces choses-là, elles ont une énergie. Donc ce que je vais t'inviter à faire, c'est que toutes les images qui te viennent, tu ne vas pas t'y attacher. On ne s'attache pas aux images. Les images, ce sont juste des informations, ce sont juste des interprétations de notre mental basées sur une énergie. Une énergie, c'est quoi ? C'est toute la sensation, les émotions, comment je vais me sentir à ce moment-là. Donc quand je demande quel est le futur que j'ai envie de vivre, même s'il y a une image où je vois peut-être la plage, où je vois peut-être un homme, où je vois peut-être plein d'argent, où je vois... L'important, ça ne va pas être de te fixer sur l'image que tu reçois, mais sur comment je me sens dans cette image. Et l'image, tu la laisses partir, parce qu'il peut y avoir tellement plus grand que ça qui se présente à toi, si tu laisses la possibilité que ça arrive. L'image vient juste t'indiquer une énergie. Et en fait, c'est cette sensation que tu auras dans le futur. Ton esprit, à l'heure actuelle, avec ce que tu connais comme étant possible, avec tes croyances et tes points de vue actuels, va te donner cette image-là. Parce que notre esprit fonctionne comme ça. Il veut être rationnel, il veut nous donner des informations et il veut être rassuré. Donc, il va seulement nous donner des choses qu'on connaît déjà. Mais si tu veux créer quelque chose, si tu veux vivre quelque chose de radicalement différent de ce que tu as connu jusqu'à maintenant, si tu veux plus d'abondance, plus de prospérité, que tu veux que ton business y fonctionne différemment, que tu veux avoir de la légèreté, que tu veux avoir du plaisir, que tu veux avoir le choix infini, le choix illimité, la possibilité de choisir sans jamais te limiter à cause de l'argent, peu importe ce que c'est. Si tu visualises plein d'argent, ton inconscient, il va pas vraiment comprendre. Par contre, si tu connectes aux sensations de « tiens, je me sens comment avec ça ?»« Quelles émotions est-ce que j'ai dans cet espace-là »« Quelles sont les sensations ?»« Quel est mon état d'esprit à ce moment-là » Là, ton mental, il va te lâcher la grappe. Ton inconscient, il va te lâcher la grappe et il va commencer à enregistrer. On se sent en sécurité dans cet espace-là. Et une fois que tu as, et on va faire l'exercice ensemble, une fois que tu as l'énergie, la vision globale, énergétique, émotionnelle, sensationnelle de ton futur, du futur que tu as envie de vivre, on va ramener cette énergie dans le présent. Parce que c'est dans le présent qu'on va commencer à créer ce futur. Ce futur, il se crée ici et maintenant avec chacun de nos choix, avec chacune des émotions qu'on va nourrir, avec chacune des sensations qu'on va nourrir, avec chaque décision qu'on va prendre, avec chaque chemin qu'on va choisir maintenant. Donc ça nous demande de prendre la responsabilité de nos choix. Déjà, ça nous demande de prendre la responsabilité de ce que je vis à l'heure actuelle et la conséquence de tous les choix que j'ai faits jusqu'à maintenant. Donc, est-ce que les choix que j'ai faits jusqu'à maintenant, ils correspondent à ce que j'ai envie de vivre ? Est-ce que le présent que je vis me satisfait ? Est-ce que le présent que je vis me comble ? Oui, génial. Comment est-ce que je peux avoir encore plus de ça ? Ce serait quoi si c'était encore plus grand ? Si c'est non, ça va te demander d'observer, ben tiens, non, là, la vie que je vis à l'heure actuelle, elle ne me comble pas pleinement.
Je suis stressée, j'ai peur, j'ai des doutes, j'en sais rien, il y a des choses qui me conviennent pas dans mon quotidien, j'aime pas l'endroit où je vis, j'aime pas mon travail, j'aimerais avoir plus de clients, il y a des choses qui me satisfont. Je ne suis pas satisfaite de ces choses-là. Ok. Est-ce que je peux prendre la responsabilité de ce qui se passe? Quel choix est-ce que j'ai fait qui m'amène à vivre ce présent tel qu'il est? Et là, il y a cette subtilité qui est, il y a nos choix conscients et il y a nos choix inconscients. Donc, quel choix conscient ou inconscient est-ce que j'ai fait qui m'ont amené à vivre le présent que je vis? Et quel choix différent, et là on va vraiment se poser la question intérieurement, quel choix différent est-ce que je peux faire maintenant pour vivre un futur différent de ce que je vis à l'heure actuelle? Quel nouveau choix, quel choix plus grand, quel choix plus joyeux, quel choix plus aligné est-ce que je peux faire maintenant, aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent, pour vivre un futur qui soit beaucoup plus joyeux, paisible, abondant. Là, on va juste laisser cette question ouvrir l'espace. Quel choix différent est-ce que je peux faire maintenant? Qui me permettrait de vivre un futur différent, plus grand, plus joyeux, plus spacieux, plus aligné, plus harmonieux, plus nourrissant. Et on va pas chercher une réponse, on va juste laisser cet espace s'ouvrir en nous et on va se laisser entrer dans cet espace. Comment je me sens? Qu'est-ce que ça ouvre? Qu'est-ce que ça ouvre comme nouveaux espaces? Qu'est-ce que ça ouvre comme nouvelles possibilités? Je choisis de faire des choix différents à partir d'aujourd'hui. Parce que tout commence par un choix, toujours. Pour créer, c'est on fait un choix, puis on peut poser une question pour ouvrir des nouvelles possibilités. Puis on fait ce choix. Puis ce choix, il va amener des nouvelles interactions. Et là, on va pouvoir voir, tiens, est-ce que ce choix, il a créé quelque chose de différent? Est-ce que ce choix, il me rapproche de ce que j'ai envie de vivre au quotidien? Ou est-ce qu'il m'en éloigne? Donc, je vais faire un autre choix. Et c'est tout un jeu de réajustement constant. Si je sens que là, je suis en train de m'éloigner de ce que j'ai envie de ressentir, qu'est-ce que je peux choisir de différent? Donc, cette question-là, elle est vraiment puissante aussi. Qu'est-ce que je peux choisir de différent là? Qu'est-ce que je suis en train de choisir, consciemment ou inconsciemment? Et là, on va écouter notre réponse intérieure. Qu'est-ce que je suis en train de choisir, consciemment ou inconsciemment? D'où est-ce que ça vient? Ce serait comment de choisir autre chose? Si mes choix étaient libres et éclairés, qu'est-ce que je peux choisir maintenant qui soit totalement en alignement avec le futur que j'ai envie de vivre? Je rabâche, mais c'est pour vraiment que ton inconscient, il enregistre cette nouvelle façon de fonctionner. Peut-être que tu fonctionnes déjà comme ça, dis-le-moi dans les commentaires si c'est le cas. Puis si ça t'intrigue, joue avec moi, tu vas voir, c'est vraiment puissant et c'est vraiment une nouvelle façon de fonctionner qui est vraiment extraordinaire. Une chose que j'ai remarquée, avant de passer aux soins, je voudrais juste préciser ça. Une chose que j'ai remarquée, c'est que souvent, quand on nous a beaucoup donné de responsabilités qui ne nous incombaient pas, par exemple, si tu t'es senti responsable pendant très longtemps, des réactions des autres, des émotions des autres, des réactions que tu suscitais chez les autres, que ce soit chez tes parents, chez tes frères et sœurs, chez tes cousins, chez tes amis. Si tu as été, si tu as grandi dans une famille immature émotionnellement, où il y avait de la jalousie, pardon, de la jalousie, où il y avait beaucoup de colère, où il y avait des émotions fortes, et où tu avais l'impression d'être constamment en train, toi,
comme on en parlait hier, d'activer les systèmes de survie de tes proches. Tu as pris beaucoup de responsabilités sur tes épaules qui n'avaient rien à voir avec toi. Tu n'es pas responsable de comment les autres réagissent. Et du coup, ça peut être difficile à un moment de se reconnaître soi-même responsable de quelque chose. Pourtant, tant qu'on n'est pas conscient de quoi est-ce que moi je suis responsable, que ce soit dans nos relations, parce que c'est très facile de reprocher à l'autre et d'oublier qu'on a notre part de responsabilité, que ce soit dans la création de notre vie, c'est facile aussi de reprocher aux autres. Puis pour moi, si tu me connais un petit peu, je travaille beaucoup avec les mémoires familiales, les mémoires transgénérationnelles, les schémas inconscients qui se reproduisent de génération en génération, nos schémas inconscients générés par les schémas inconscients de nos parents et qu'est-ce que ça génère. C'est vraiment une de mes spécialités, c'est ce que j'accompagne mes clientes à faire, c'est tu observes ce qui est là aujourd'hui, ça vient te montrer quoi? Des schémas que tu as encore en vie à l'intérieur de toi qui te font revivre constamment les mêmes choses. Mais en fait, même quand quand on reproduit un schéma qui appartenait à quelqu'un, ou quand on est en réaction au schéma de quelqu'un d'autre, ou aux réactions de quelqu'un d'autre, c'est notre responsabilité aussi. C'est en partie notre responsabilité. Donc, ça va être notre responsabilité d'aller observer, tiens, ça vient de tel endroit. Ça, j'ai appris ça au contact de telle personne. Puis c'est pas, oh, c'est sa faute, c'est à cause de ma mère si je vois l'argent comme ça. Oh, c'est à cause de ma sœur si je me sens rejetée tout le temps. Oh, c'est à cause de... Non, c'est pas ça le but. C'est comprendre que, ok, elle, avec ses schémas, ses blessures, elle a eu ces comportements-là qui m'ont fait, moi, me sentir comme ça. Et moi, pour la comprendre, j'ai pris des énergies à elle pour la comprendre et maintenant, je me débats avec ces énergies. Mais ce n'est pas sa faute si moi, j'ai pris ces énergies. Je suis en pâte, je prends de toute façon, je suis consciente des énergies de tout le monde et quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, je vais le prendre à l'intérieur de moi pour le décrypter, le comprendre. Ce n'est pas de sa faute. C'est ma responsabilité. Donc, c'est ma responsabilité de savoir d'où est-ce que ça vient pour pouvoir le rendre acquis de droit. Et moi, pouvoir vivre en alignement avec moi. Donc, c'est notre part de responsabilité à nous. Donc, il y a combien de responsabilités que tu as pris pour d'autres personnes? Combien de personnes ont déchargé leur culpabilité, leur reproche, leur choix sur toi qui n'était pas de ta responsabilité? Laisse remonter cette énergie. Combien de choses est-ce que je porte? Combien de responsabilités est-ce que je porte pour les autres qui ne sont pas les miennes? Et qu'est-ce que ça prendrait maintenant pour les retourner à qui de droit, avec aisance totale? Et tu peux prendre tout le paquet là, touc, entre tes mains et le remettre à ceux à qui ça appartient. Tu peux même demander aux archanges, je fais appel aux archanges, ou à une entité avec laquelle tu te sens en confiance, que ce soit ton ange gardien, que ce soit un archange, que ce soit l'univers, je demande à l'univers. Je demande à l'archange, moi je travaille beaucoup avec l'archange Michael, donc je vais demander à l'archange Michael de ramener toutes ses énergies, toutes ses responsabilités acquises de droit et de nettoyer en moi, de purifier en moi toutes les parties de moi qui croient encore être responsables de toutes ces choses dont je n'ai jamais été responsable. Et on fait le vide, on fait le vide, on fait le vide, on fait le vide, on fait le vide. Et on relâche, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche. Encore. Allez, vas-y. Toutes ces choses-là dont tu te sens responsable, toutes les émotions, les réactions, les choix, les non-choix que les autres ont pris et dont ils t'ont fait porter la responsabilité. Genre, j'ai sacrifié ma carrière parce que j'ai eu des enfants. Quand on te dit ça, ce que tu peux entendre, c'est « J'avais la trouille de choisir ma carrière. Tu m'as donné l'excuse pour ne pas la choisir. Merci. » Mais maintenant, merci encore plus parce que je vais pouvoir te faire porter la responsabilité de ça. Comme ça, moi, j'ai pas à me culpabiliser.
Donc toutes ces énergies-là, renvoie-les à qui de droit, 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 ici et maintenant. Yes, encore, encore, relâche, 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 relâche. Et si tu me permets, tu peux accepter de recevoir le soin énergétique que je fais en même temps et accepter de recevoir la contribution de tous tes êtres de lumière, de tous les êtres de lumière qui ont envie de contribuer pour toi, pour relâcher tout ça. Ah, vas-y, fais le vide, t'as plus besoin de porter tout ça. Puis fais bien le vide parce qu'après tu vas récupérer tes responsabilités à toi, parce que tu as besoin de récupérer tes responsabilités à toi pour te rendre responsable et t'empuissancer dans la création du futur que tu as envie de vivre. Tout ce qui n'est pas à moi, toutes les responsabilités qui ne sont pas à moi, toutes les responsabilités que j'ai cru être à moi et qui n'ont jamais été à moi, je les renvoie, je les renvoie, je les renvoie. Toutes, 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 maintenant. Yes, 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 yes. Comment tu te sens? Comment tu te sens avec ça? Dis-moi en commentaire. Tu sens comme ça bouge, tu sens comme ça apaise, tu sens comme ça relâche. Et tout ce que mon corps a encaissé comme culpabilité, comme honte, comme responsabilité pour tout ce qui n'avait rien à voir avec moi. Corps, qu'est-ce que ça prendrait maintenant pour relâcher toutes ces énergies, pour relâcher toutes les contractions que tu as cristallisé pour valider ma responsabilité envers toutes ces choses qui n'étaient pas de ma responsabilité. Corps, est-ce qu'on peut relâcher ça maintenant? Archange Michael, est-ce que tu peux nous aider à relâcher et à décristalliser tout ce qui a été cristallisé dans nos corps, dans notre corps physique, éthérique, vital, astral, mental, champ mental, cosmique, émotionnel, sur tous les plans, dans toutes les dimensions et dans tous les temps, ainsi soit-il. Merci. Et on relâche, on relâche, on relâche. Combien d'énergie toxique est-ce que nos organes ont absorbé pour continuer à porter ces responsabilités qui n'étaient pas les nôtres? Et est-ce qu'on peut relâcher toutes ces énergies de tous nos organes, de tous nos tissus, de tous nos fascias? Si tu sens que tu as besoin de bouger, bouge. Si tu sens que tu as envie de t'étirer, étire-toi. Si tu sens que tu as envie de faire du shaking, fais du shaking et permets à ton corps de relâcher. Respire. Fais-toi confiance, tu sais, ton corps sait. Ton corps sait comment relâcher les énergies. Ton corps, il a toujours su. Il attendait juste l'autorisation. Ok. Comment tu te sens? Dis-moi en commentaire. Ah. Puis si tu sens que cette vidéo, c'est une contribution pour toi et que ça pourrait l'être pour d'autres personnes autour de toi, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi ou à taguer des personnes qui pourraient avoir envie de vivre cette expérience. Magnifique. Yes. Génial. Ok. Maintenant, prête pour la deuxième étape. Mets des petits cœurs si tu es prête pour la deuxième étape. Ça relâche tellement. Yes! Merveilleux. Est-ce que vous êtes prête pour la deuxième étape? Yes, ça y est, ça a relâché. Vous pourrez refaire à n'importe quel moment, puis vous pourrez mettre pause. Vous aurez les enregistrements après. Vous pourrez mettre pause pour laisser le soin se faire. Si vous sentez qu'il y a encore des choses qui demandent à relâcher, vous pourrez le refaire. Deuxième étape, c'est de quoi est-ce que moi, j'ai été responsable, dont j'ai essayé de me décharger. De quoi est-ce que moi, je suis responsable, au moins à 50%, que j'ai essayé de décharger à 100% sur les autres. J'ai un exemple qui me vient dans le couple. Dans le couple, on a tendance à vouloir rendre l'autre responsable. Moi, je fais du développement personnel, moi, je travaille sur moi, lui, non, c'est sa faute.
Mais on oublie de regarder qu'est-ce que moi j'ai comme part de responsabilité là-dedans. Et qu'est-ce que moi je fais ou qu'est-ce que moi je ne fais pas qui permet à l'autre de continuer à agir de la même façon encore et encore. C'est tellement facile de se dire moi je suis la victime et l'autre c'est le bourreau. Sauf que dans n'importe quelle relation, on est tous à 100% responsables de ce qui se passe. Donc où est-ce que moi je me suis défaussée de mes responsabilités? Où est-ce que moi j'ai dit non, ça c'est pas ma responsabilité, moi je suis la victime? Et là, c'est intéressant. Là, ça pique. Là, ça pique parce qu'on n'a pas envie de voir ça de nous. Mais en fait, si on ne le voit pas, comment on peut le changer? Donc là, la question, c'est est-ce que je préfère continuer à croire que c'est tout la faute des autres ou est-ce que je préfère changer ma vie? Est-ce que j'ai envie de vivre le futur que j'ai envie de vivre? Est-ce que je suis prête maintenant à créer un futur dans lequel je serai heureuse de vivre? Donc ça va me demander de regarder où est-ce que je suis responsable. De quoi est-ce que je suis responsable dont je ne veux pas prendre la responsabilité qui m'empêche de faire un choix différent. Tant que je crois que je ne suis pas responsable, tant que je crois que c'est le destin, tant que je crois que c'est l'univers qui me punit, tant que je crois que c'est la faute de l'autre, tant que je crois que c'est la faute des événements, des circonstances, de mes parents, de mon conjoint, de mes enfants, de la terre entière. Je ne peux pas prendre ma part de responsabilité, donc je ne peux pas être actrice de mon destin, je ne peux pas être actrice de la création de ma vie, et je me place en tant que victime. Et on a tous une part de nous qui aime bien, soyons honnêtes, qui aime bien se placer en tant que victime. Non, mais ça, c'est pas ma faute. Non, mais ça, c'est tout la faute de l'autre. Non, mais alors, autant il y a des choses où d'accord, c'est ma faute, mais ça, non. Ça, c'est parce que, ou c'est parce qu'il y a eu des traumas. Mais dans les traumas, bah, c'est notre responsabilité. Est-ce que je laisse le trauma prendre le dessus ou est-ce que je suis proactive et active là-dedans et est-ce que je vais me faire accompagner? Est-ce que je vais faire un choix différent pour gérer ce trauma, pour libérer ce qui est là? Ah mince, la lumière a plus de batterie. Je suis dans le noir. C'est pas top la luminosité. Je vais essayer de me mettre en face pour voir si c'est mieux. C'est un peu mieux ? Ouais, c'est un peu mieux comme ça. Ok, je vais me mettre là. Donc, de combien de choses, pardon, ça grince, de combien de choses est-ce que je me déresponsabilise ? Que si j'acceptais ma part de responsabilité par rapport à ça, je pourrais reprendre mon pouvoir et choisir et créer quelque chose de différent maintenant. Est-ce que tu es prête à vraiment laisser venir à toi ces informations? Puis là, on va le faire énergétiquement et ensuite, ça va être dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Tu vas avoir des choses qui vont venir te faire pop à ça. Ah là, c'est vrai que je me déresponsabilise. Ah là, c'est vrai que j'ai l'impression de subir. Si tu as l'impression de subir, c'est que dans cet endroit-là, tu es en mode victime. Dans cet endroit-là, tu ne prends pas ta part de responsabilité. Et peut-être que tu prends même la part de responsabilité de quelqu'un d'autre, mais tu te défausses de la tienne. Ça arrive aussi. Donc, de combien de choses est-ce que je refuse de reconnaître que je suis responsable? Que si je le reconnaissais maintenant, je pourrais choisir et créer quelque chose de différent. Et à nouveau, on va laisser faire l'énergie. Donc si tu me permets, je vais œuvrer avec toi énergétiquement. Et si tu n'avais pas à te juger de t'être déresponsabilisé de ces choses-là, et si prendre ta responsabilité de ça, c'était juste un cadeau. Si tu n'avais pas à aller dans la culpabilité, si tu n'avais pas à avoir honte de ça, on fait tous des erreurs. On fait tous des choix à des moments qui ne sont pas les plus brillants. Il n'y a pas à se juger de quoi que ce soit. C'est comme ça qu'on apprend.
J'ai pas à me juger de ne pas avoir pris ma responsabilité. Par contre, maintenant, est-ce que je continue ça? Est-ce que je continue sur cette voie-là? Et je sais où ça va m'amener parce que c'est là où je suis aujourd'hui. Ou est-ce que je choisis autre chose? Moi, il y a tellement de choses ces derniers temps où je voulais pas prendre ma responsabilité de ce qui se passait. Tellement. Parce que j'avais l'impression que j'allais culpabiliser encore plus, que j'allais avoir honte. Mais en fait, la culpabilité et la honte nous distraient du choix nouveau et différent qu'on pourrait faire. Donc combien de honte, combien de culpabilité, combien de reproches, combien de blâmes est-ce qu'on s'impose à nous-mêmes qui nous empêche de prendre notre responsabilité là où elle est requise? Est-ce qu'on peut relâcher toute cette honte, toute cette culpabilité, toutes ces énergies, toutes ces tensions de non, je ne veux pas être responsable de ça. Non, si je reconnais que je suis responsable de ça, je vais paniquer, je ne vais pas savoir quoi faire. Si, tu vas savoir quoi faire, justement. Tant que tu refuses ta responsabilité, tu ne sais pas quoi faire et tu ne peux pas agir. Tia? Chut. Donc, c'est le contraire en fait. Le truc, c'est que tu as tellement peur d'avoir honte, tu as tellement peur de culpabiliser. Mais en fait, si tu t'en rends compte et que tu fais un choix différent, t'as pas à avoir honte et t'as pas à culpabiliser. Tu peux au contraire avoir de la gratitude. Combien de gratitude est-ce que tu peux avoir pour toi de te rendre compte des choix que tu as faits, qui n'étaient pas forcément les plus avisés? Ou des choix que tu n'as pas fait, que tu aurais peut-être dû faire, ou des actions que tu as faites qui n'étaient pas les meilleures, ou des actions que tu as faites que tu n'as pas faites, qu'il aurait fallu faire, qui auraient été positives pour toi. Mais gratitude de m'en rendre compte. Gratitude de m'en rendre compte. Gratitude de me rendre compte que j'ai une part de responsabilité si ma relation, elle ne se passe pas super bien. Gratitude de me rendre compte que si mon business il fonctionne pas comme j'en ai envie, j'ai ma part de responsabilité parce que du coup je vais pouvoir choisir autre chose, je vais pouvoir m'engager encore plus entièrement. Comment est-ce que ce serait si grâce au fait de prendre ma responsabilité, je pouvais m'engager avec encore plus de cœur dans la création de la vie que j'ai envie de vivre? Donc comment est-ce que ce serait là tout de suite? Qu'est-ce que ça prendrait pour que tu laisses la gratitude remplacer la honte, la culpabilité, les blâmes, les reproches et toutes ces jolies choses-là qui tournent en rond et qui essayent de t'assaillir et qui essayent de te critiquer intérieurement. T'as vu, t'as pas fait comme il fallait, t'as vu, hein, tu t'es déresponsabilisé, t'as vu, tu t'es victimisé. Non, c'est ok. Merci à moi de me rendre compte qu'à cet endroit-là, j'ai pas pris mes responsabilités. Qu'à cet endroit-là, j'ai fait des choix qui n'étaient pas les plus avisés. Merci, je m'en rends compte, donc je vais pouvoir choisir autre chose. Respire. Respire et relâche. Relâche. Et laisse toute l'énergie circuler et bouger. Et ça va être vraiment à toi, là, ces prochains jours, d'observer. De quoi est-ce que je me sens responsable qui n'est en fait pas ma responsabilité? De quoi est-ce que je me déresponsabilise qui en fait est en partie ma responsabilité et que si je prends ma responsabilité en main, je vais pouvoir choisir autre chose. Et là, tu vas avoir tellement d'espace pour créer quelque chose de différent, pour choisir quelque chose de différent, pour ouvrir un espace tellement plus serein à l'intérieur de toi. Et pour revenir dans ta puissance, parce que c'est ça, c'est que tu reviens dans ta puissance à cet endroit-là. Ok? Comment tu te sens avec ça? On fait un petit topo. Deuxième exercice, comment est-ce que tu te sens là tout de suite? Je préférais mon fond de l'autre côté. Comment est-ce que tu te sens avec ça? Dis-moi en commentaire. Et le truc, c'est que si on ne prend pas notre responsabilité sur les choses où on est censé prendre notre responsabilité, on va être constamment en train de fuir. Du coup, c'est aussi vraiment venir rassurer
notre système nerveux, je ne suis pas en danger en reconnaissant ma responsabilité. Je suis en sécurité de reconnaître là où je suis responsable. Attends, tu as survécu à des années à prendre la responsabilité des autres sur toi, alors que ça, tu n'as aucun contrôle dessus, donc tu n'avais aucune possibilité d'action, parce que tu ne peux pas agir sur quelque chose dont tu n'es pas responsable. Donc là, oui, il y a des raisons que ton système nerveux, il soit en mode alerte, alerte, alerte. Je ne sais pas quoi faire avec ça, je ne sais pas quoi faire avec ça. Je me sens responsable de ça, mais je ne sais pas quoi faire avec ça. Donc je fige, ou je m'énerve, ou je fuis. Mais du coup, combien de fois est-ce qu'on fait la même chose avec nos responsabilités ? Je m'énerve, je fuis, ou je fige. Mais si tu fuis devant tes responsabilités, tu ne peux plus rien faire. Si tu figes devant tes responsabilités, tu ne peux plus rien faire. Et le truc, c'est qu'aussi, responsabilité, ça fait quelque chose. C'est tellement lourd. C'est comme... J'ai pas envie d'être une adulte. Je peux rester comme Peter Pan, un enfant pour toujours et aller au pays imaginaire, s'il vous plaît. Mais en fait, comment ce serait de dédramatiser ? Je suis responsable de ma part des choses. Mais ça veut dire que j'ai un pouvoir d'action sur ces choses-là. Je peux choisir, par exemple, je suis responsable de la gestion de mon entreprise. Et là, tu peux faire « mais moi, je ne sais pas faire ». Oui, mais si j'en suis responsable, je ne vais pas le fuir, je ne vais pas figer face à ça, je ne vais pas m'énerver face à ça. Je vais pouvoir être présente avec « ok, il y a ma gestion d'entreprise à gérer, j'en suis responsable, qu'est-ce que je fais avec ça ?» C'est quoi les solutions ? C'est quoi qui ferait que cette responsabilité, elle serait joyeuse, elle serait légère, elle serait puissante pour moi ? Ah ben tiens, je vais peut-être m'entourer de quelqu'un qui sait faire. Je vais peut-être prendre un comptable, un expert comptable. Je vais peut-être poser des questions dans des groupes d'entrepreneurs. Je vais pouvoir être proactive parce que je suis en mode puissante. Je suis empuissancée dans « c'est mon choix d'être entrepreneuse, c'est mon choix » de faire ça, donc je vais prendre les mesures nécessaires pour que ce soit joyeux pour moi. Mais si je suis en mode survie, si c'est si je suis submergée par toutes les responsabilités qui ne sont pas les miennes, et que je suis submergée par tout ça et je suis là, mode survie, mode survie, mode survie, mes responsabilités à moi, je ne peux plus les prendre. Et du coup, je me retrouve encore plus submergée. Donc, de faire d'abord ce nettoyage de « je ne suis pas responsable que vous guérissiez ». Parce qu'en tant qu'empath, c'est souvent ça. Hein. C'est « j'aimerais que papa et maman, ils guérissent. J'aimerais que tous les gens que j'aime guérissent. J'aimerais qu'ils aillent mieux. Puis moi, comme je suis un peu une guérisseuse sur les bords, ben, je vais prendre un peu toute leur merde. Comme ça, ça va les soulager. Comme ça, eux, ils vont se sentir mieux. Sauf que eux, ils recréent encore et encore et encore leurs difficultés. Parce qu'ils ne les ont pas soignés, eux, ils ne les ont pas conscientisés, ils n'ont pas fait le job de prendre leurs responsabilités. Donc moi, je prends leurs responsabilités à leur part. Et du coup, je dois constamment prendre leurs énergies encore et encore et encore et encore et encore. Mais c'est invivable parce que je ne suis pas responsable de leur bien-être, je ne suis pas responsable de leur guérison, je ne suis pas responsable de ce qu'ils vont choisir. Mais du coup, si je fais ça tout le temps, moi, pour créer ma vie à moi, comment je fais ? Je peux pas, j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'énergie disponible pour moi. Donc prendre en plus la responsabilité de créer ma vie, non mais ça va, oui. Oh, on se calme un peu. Tu vois comment c'est important de remettre les choses dans leur contexte. Puis j'en parle avec légèreté, mais c'est un sujet qui est profond et c'est un sujet qui demande une grande observation intérieure d'aller vraiment libérer ces trucs dont on se sent responsable. Puis ça, c'est une conversation qu'on a eue, pas vraiment exactement de cette façon-là, mais dans Privilégier, mon séminaire. Dans mon séminaire Privilégier, c'est une des choses qu'on aborde cette thématique de responsabilité parce qu'on nous a tellement jugés
d'être irresponsable. On nous a tellement jugé d'être la tête en l'air, d'être dans les étoiles, d'être ci, d'être ça, de ne pas avoir les pieds sur terre, etc., qu'on essaye de mettre une lourdeur et un sérieux sur les responsabilités qui finalement nous donnent envie de fuir nos responsabilités. Mais si je te disais que ça peut être joyeux, ça peut être léger, ça peut être amusant, parce que ça fait partie de ce que tu vas choisir pour créer ta vie, pour créer le futur que tu auras envie de vivre. Est-ce que tu as envie de créer un futur? Je vais reprendre mon exemple de la gestion de l'entreprise. Est-ce que tu as envie de créer un futur dans lequel ton entreprise, elle aura eu une gestion déplorable, où du coup tu auras des dettes, où du coup tu ne sauras pas t'en sortir, tu ne pourras plus rien faire? Tu n'as pas envie de ça. Donc ça te demande de prendre les choses en action maintenant, pour créer un futur différent dans lequel il fera bon être. Un futur où ton entreprise, elle te soutiendra, où toute ta structure te soutiendra, etc., etc. Ça remue car c'est très percutant. Yes. Et merci pour ça. Donc c'est un gros morceau. Du coup, je vais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je reviendrai en live demain. Et demain, on ira connecter à l'énergie du futur que tu as envie de vivre. Mais avant ça, je pense que c'est vraiment important que tu prennes le temps de faire ce petit job-là de remise à leur place de chaque chose. Vos responsabilités, je vous les rends. Mes responsabilités, je les reprends. Donc, je t'invite par exemple, tu peux prendre une feuille, tu peux noter tous les thèmes qui sont importants pour toi dans ta vie. L'argent, ton business, tes relations, ton couple, tes enfants, ton corps, ton boulot, si tu as un boulot, peu importe. Tu vas lister toutes les choses qui sont importantes pour toi et tu vas les regarder. Par rapport à ça, quelles responsabilités est-ce que je prends qui ne sont pas les miennes? Et quelles responsabilités est-ce que je refuse que si je les prenais, ça changerait tout? Et fais un check de tout ça. Puis, une fois que tu l'as fait, j'aimerais beaucoup que tu viennes partager avec moi en commentaire ici, c'est quoi les choses les plus qui te ressortent. Je prenais ça comme responsabilité, je m'en étais pas rendu compte. Ou je me déresponsabilisais de l'argent parce que j'avais décidé que l'argent, de toute façon, c'était pas pour moi, donc c'était pas ma responsabilité, c'est juste l'argent, c'est pas pour moi, donc il vient pas. Tu vois, ça peut être vraiment des choses toutes basiques comme ça. Ou ben, je suis pas responsable du fait qu'il n'y a pas de clients. Mais si, t'es responsable. Si je reprends ma responsabilité par rapport au fait que j'ai pas de clients, ou que j'ai pas autant de clients que j'en ai envie, elle est où ma part de responsabilité? Et qu'est-ce qui fait que je me déresponsabilise de ça. Pour quelle raison est-ce que je me déresponsabilise de ça? Pour éviter quoi? Et finalement, qu'est-ce que ça nourrit? Parce que le truc, c'est que je me déresponsabilise de ça pour éviter de culpabiliser ou d'avoir honte. Genre, j'ai pas autant de clients que je voudrais dans mon entreprise, d'accord? C'est quelque chose que j'ai vécu récemment. J'ai pas autant de clients que ce que j'aimerais. Mais je me déresponsabilise de ça. C'est juste que je me sens pas bien en ce moment. C'est juste que j'ai pas la tête à ça. C'est juste que ça m'épuise. C'est juste que j'ai tellement de croyances et j'ai tellement de trucs. Donc si je me responsabilisais, je devrais culpabiliser de tout ce que je ne fais pas. Et je devrais avoir honte de ne pas avoir fait de live depuis longtemps. Je devrais avoir honte de ne pas avoir le cœur à faire des posts. Je devrais avoir honte de si, de ça, de ça. Ok, sauf que le fait de me déresponsabiliser, qu'est-ce que ça crée? Ben, ça crée que chaque jour, j'entretiens cette honte et cette culpabilité. Et que tant que j'y fais pas face, je ne peux pas le changer. Tant que j'y fais pas face, je ne peux pas le changer. Donc, est-ce que je préfère me prendre une bonne douche froide là tout de suite, une bonne fois pour toutes, je saute dans le lac, c'est gelé, j'ai froid, ça me glace le sang, ça me glace le cerveau, ça me glace tout, mais au moins j'y suis? Ou est-ce que je reste au bord encore pendant très 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 longtemps
Et au plus je reste au bord, au plus j'ai l'impression que ce sera impossible pour moi d'aller me baigner parce que c'est trop froid. Ou trop chaud, peu importe. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le... Et là, c'est comme si tu es au bord, et du coup, tous les jours, tu vois là où tu as envie d'aller. Et tu vois là où tu es. Et donc, tous les jours, tu as honte, et tous les jours, tu culpabilises de ce que tu fais, de ce que tu fais pas, de ce que tu devrais faire, de ce que tu sais que tu devrais faire et que tu n'arrives pas à faire. Et du coup, tu te surcharges mentalement, tu te crées un burn-out toute seule par ton inaction. On est tellement brillantes, on est des créatrices incroyables. Donc on se crée un burn-out, on se crée une dépression nous-mêmes par notre inaction. Plutôt que de reconnaître, ok, j'ai la trouille, ou ok, ouais, je m'en veux, j'y arrive pas. Mais je m'en veux, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Ben, j'y arrive pas et j'accepte que j'y arrive pas. Là, tout de suite, j'y arrive pas. C'est ce que j'ai fait il y a littéralement quelques jours. Ben, en fait, j'arrive pas à aller sur mes réseaux sociaux. Après privilégié, après le premier séminaire, ce séminaire, il était extraordinaire. Ça a changé la vie des filles qui y étaient. Ça a changé ma vie, ça a changé la vie d'Anto. On a tous eu des révélations, des prises de conscience, des déclics de dingue. J'avais plus envie que ça s'arrête tellement c'était extraordinaire, mais aussi tellement j'aimais parler avec elle et je m'autorisais plus à faire ça sur mes réseaux sociaux. Je m'autorisais plus. Ça faisait facilement 2 ans que c'était très dur pour moi de venir parler sur mes réseaux sociaux, de m'afficher, de parler avec mon cœur, de parler spontanément, parce que j'ai reçu des menaces de personnes proches. Parce que y a eu plein de choses, donc j'avais plein de raisons, mais ils ne sont pas responsables de mon choix, c'est moi qui suis responsable de mon choix. Et mon choix, ça a été de figer, d'avoir la trouille, de figer. Et j'étais incapable. J'ai continué à créer du contenu, mais sincèrement, le cœur n'y était pas. Puis là, il y a quelque temps, j'ai dit, mais en fait, lâche, tu n'y arrives pas, lâche, n'y va pas. Donc là, après le séminaire, je me suis autorisée pendant 2 semaines à ne pas créer de contenu et à venir que quand j'en avais envie, que quand vraiment c'était ça, j'ai envie de le partager. Donc je suis allée beaucoup sur Facebook où j'ai plus de facilité à faire un post juste comme ça. Et puis là, d'un coup, ça a été tellement reposant pour mon système nerveux de plus avoir à forcer pour. De plus avoir à me marteler tous les jours avec la honte de ne pas le faire, avec la culpabilité de ne pas le faire, de l'assumer pleinement. Je ne fais pas de post. Je ne vais pas sur mes réseaux sociaux. Je fais une pause. Je suis en train de cicatriser des choses profondes. Je suis en train de prendre du temps pour moi. Et ça, c'est primordial. C'est plus important que l'argent, c'est plus important que un chiffre d'affaires, c'est plus important que n'importe quoi. Parce que moi, si j'ai créé une entreprise, c'est pour me sentir bien. C'est parce que j'aime ce que je fais, c'est par passion, c'est pour tout ça. Donc me forcer tous les jours, c'est juste invivable. Donc j'ai pris ma part de responsabilité. J'ai assumé ma honte de ne pas arriver à faire quelque chose qui était tellement facile pour moi. J'ai assumé ma culpabilité d'avoir arrêté à un moment et de pas avoir réussi à reprendre. J'ai assumé ma culpabilité de m'être sabotée pour des choses totalement inconscientes, mais qui avaient besoin de sortir. J'ai tellement de gratitude pour ce que j'ai traversé ces 2 dernières années. Mais tant que je ne reconnaissais pas tout ça, je pouvais même pas avoir la gratitude parce que j'avais aucune compassion envers moi-même. Donc j'étais dure, donc j'étais intransigeante, donc j'étais... Ah, et pas sur les bonnes choses. C'est bien d'être intransigeant sur les choses qui sont importantes pour nous, pas sur les choses qui nous font du mal. Je suis têtue, moi. Donc, quand je suis butée dans quelque chose. Donc, une fois que tu es là, bah, tu peux choisir. Et du coup, tous les jours, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux choisir de différent là qui créerait un futur différent pour mon entreprise, pour moi dans mon entreprise. Et j'ai pu me connecter chaque jour à, et si c'était à nouveau joyeux et facile de publier? Et si c'était, qu'est-ce qui me fait plaisir là-dedans? Il y a quelques jours, j'ai trouvé cette question qui a fait pain. Je te la partage. Tu peux te la noter, elle est vraiment puissante. Je me suis posé la question de qu'est-ce que ça prendrait pour agir de façon alignée
joyeuse et légère? Qu'est-ce que ça prendrait pour passer à l'action de façon alignée, joyeuse et légère? Pendant 3 jours, cette question, elle est venue plein de fois dans la journée, comme ça, pop, 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 pop. Qu'est-ce que ça prendrait pour passer à l'action de façon alignée, joyeuse et légère? Et là, d'un coup, comme je le disais tout à l'heure, parce que jusque-là, j'étais en mode, j'arrive plus à partager, j'ai plus l'énergie de, j'arrive pas à passer à l'action, etc., etc. Je suis figée, je suis en mode, et là, j'ai ouvert mes œillères. Avec cette question, j'ai ouvert mes œillères et d'un coup, j'ai réussi à passer à l'action et j'ai lancé cette série de lives et j'ai plaisir à faire ça. Et vraiment, c'est un bonheur d'être là. Il n'y a pas beaucoup de monde parce que sur Instagram, c'est pas ma plateforme de cœur à la base. Donc, j'ai pas beaucoup de monde en live et je m'en fous parce que je le fais pour moi et que j'ai confiance que les personnes qui doivent voir ces vidéos les verront. Et ça m'aide à me détacher en même temps de tout ce truc d'algorithme et de machin et de tout ça parce que, en fait, c'est juste que je kiffe. Donc, je vais juste faire ce que je kiffe parce que c'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce qui marche pour moi. Donc, tu vois, prendre ma responsabilité, ça m'a amené à m'autoriser réellement une pause. Puis ça m'a permis d'avoir l'espace de poser des questions différentes pour ouvrir un espace différent. Puis ces questions-là, elles m'ont permis de revenir différemment et de créer quelque chose de différent. Et il y a plus de paix, il y a plus de joie, il y a plus de spontanéité, il y a plus de tout ça. Donc tu vois à quel point c'est important de passer par ces étapes-là. Et je te le dis pas juste comme ça, c'est quelque chose que je vis, que je traverse, que j'expérimente et je suis pas parfaite. Moi aussi, il y a des trucs où des fois je me sens submergée. Il y a aussi des fois où je fige complètement et je sais plus quoi faire. Et c'est ok, ça fait partie de la vie. Et c'est là où avoir de la compassion pour nous, c'est tellement important. Puis si tu veux aller plus loin sur ce sujet-là, de sortir de ce critique mental, de ce critique intérieur, de retrouver ta compassion, ta douceur avec toi-même, d'arriver à naviguer avec plus de légèreté toute la vie qui arrive à nous et grandir ton intelligence émotionnelle, c'est ce qu'on fait dans Fairy Métamorphose, mon abonnement mensuel. Puis là, cette semaine, j'ai changé le rendez-vous, donc le prochain rendez-vous, il est vendredi. Rosemary, c'est vendredi, j'ai changé, je ne sais pas si tu as vu mon post dans le groupe. On a eu une première rencontre lundi, donc hier. Hier, on a eu la première rencontre, c'est super puissant. On a la prochaine rencontre vendredi et on a la troisième rencontre lundi. Donc on a 3 rencontres avec des soins énergétiques, des conversations. On va plus loin encore qu'ici au niveau des soins énergétiques parce qu'on est ensemble sur Zoom et tout ça. Et on va vraiment aller relâcher toutes ces tensions à l'intérieur, tous ces trucs qu'on a tordus, qu'on a cristallisés, qu'on a verrouillés, toutes ces responsabilités qui ne sont pas les nôtres, toutes ces choses pour lesquelles on se juge et sur lesquelles on a tellement peu de laisser-être avec nous-mêmes. Donc on va grandir tous ces espaces qui vont nous permettre de développer notre intelligence émotionnelle et énergétique et de naviguer avec tellement plus d'aisance et de facilité toutes les choses qui se présentent à nous. Mais vraiment reprendre cette responsabilité, tu as vu, super. Reprendre notre responsabilité sur les choses sur lesquelles on a notre responsabilité. C'est tellement la base pour créer notre vie. Et j'avais cette question aussi qui m'est venue hier, qu'est-ce que ça prendrait pour que je prenne le contrôle de ce qui est sous mon contrôle et que je laisse le reste à l'univers? Et à qui de droit? Il y a des choses sur lesquelles nous, on a du contrôle. Il y a des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Notre responsabilité, c'est de prendre le contrôle des endroits où on a le contrôle. J'ai le contrôle de ce que je fais avec mes émotions. J'ai le contrôle de ce que je fais avec mes pensées. J'ai le contrôle de ce que je fais dans mes actions au quotidien. J'ai le contrôle de mon énergie. J'ai le contrôle de ma vibration. J'ai pas le contrôle de ce que X et Y à côté vont choisir. J'ai pas le contrôle de la loi en France qui régit mon entreprise. J'ai pas le contrôle sur ces choses-là. Donc sur quoi est-ce que moi j'ai le contrôle? Comment est-ce que ce serait de reprendre le contrôle là où j'ai le contrôle?
et de passer à l'action de façon inspirée, joyeuse et légère sur les choses où j'ai du contrôle pour créer le futur que j'ai envie de vivre. Alors oui, celle-là, elle est un peu longue. Il faudra réécouter le replay pour entendre pour la noter, si vous voulez la noter. Mais ça peut être vraiment une question super puissante à te noter. Où est-ce que moi, j'ai le contrôle? Et qu'est-ce que, du coup, je peux choisir pour créer le futur que j'ai envie de créer, que j'ai envie de vivre, que j'ai envie d'expérimenter? Ok? Comment tu te sens avec cette conversation? Je vais arrêter là pour aujourd'hui, ça fait beaucoup. Je sens que ça fait... Donc on va arrêter là pour aujourd'hui, puis demain, on va voir où est-ce que vous en êtes. Donc faites-moi un petit retour suite au live, faites-moi un petit retour de ce qui vous vient, dès que vous vous êtes posé avec l'exercice, dites-moi ce qui remonte, puis comme ça on pourra aller plus loin demain dans le prochain live. Et puis si vous voulez partager l'info autour de vous, que je suis là, que je fais des lives, que je vous coach, que c'est super cool, que c'est super éclairant, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à faire circuler l'information pour court-circuiter les algorithmes. Merci, tellement éclairant, merci. Avec grand plaisir, ma belle. Puis tout ça, c'est ce qu'on fait dans Fairy Métamorphose. Ce qu'on vient de vivre là, c'est à peu près ce qu'on vit dans une séance dans Fairy Métamorphose. Et en rejoignant l'abonnement mensuel, tu as accès à tout ce qui a été enregistré pendant ces 8 derniers mois, je crois. Les premiers mois n'avaient pas... J'ai perdu les derniers mois. Donc depuis novembre dernier, donc plus d'un an, tous les replays sont disponibles. Et c'est sacrément puissant. Et là, ce mois-ci, on parle du critique intérieur et la prochaine aventure, elle va être dinguissime. Je t'en parle très très bientôt. Je t'en ai un peu parlé hier soir, mais je ne vais pas revenir là-dessus là tout de suite. Voilà, je te souhaite une magnifique soirée. Je te remercie d'avoir été ici avec moi en direct. Merci du fond du cœur pour ta présence. Merci pour vos messages, les filles. Ça m'a fait vraiment plaisir de connecter avec vous. Et on se retrouve demain pour la suite de notre aventure.